Ils sont 7 candidats. Ensemble, ils vont s'unir pour déconstruire les clichés sur la télé-réalité. Trucage. Manipulation. Buzz. Ou mauvaise image. Ils répondront à toutes vos idées reçues dans un échange bienveillant. Des révélations. Des secrets. Des surprises. Seront-ils d'accord ou en conflit? C'est tout de suite dans Étiquette. Être candidat de télé-réalité, c'est pas un métier. Moi, je pense que c'est un métier de télé-réalité, mais pas un métier très répandu. Je pense qu'il y a 2 ou 3 élus, des grosses têtes de télé-réalité, pour qui maintenant c'est devenu un métier parce qu'ils en font depuis 15 ans. Et que je pense que derrière, ils peuvent pas faire autre chose parce qu'ils sont affiliés qu'à ça, à des programmes par exemple. Je pense que eux, pour eux, c'est un vrai métier. Après, derrière, pour des gens comme moi et peut-être toi, je sais pas, c'en est pas un. Donc j'aurais pu aussi me mettre de ce côté-là. Du moment que on a envie qu'on fait que ça et que c'est rémunéré, c'est un métier. C'est pas un métier traditionnel, mais ça reste quand même un métier parce qu'il faut être tout le temps sur les réseaux, parler à sa communauté, entretenir son image et faire du divertissement, parce que faire de la télé, tout le monde sait pas le faire et il faut quand même pouvoir apporter du divertissement entre guillemets aux téléspectateurs. C'est quand même une série, sauf qu'on n'a pas de scénario. C'est de l'improvisation. Il y a une différence entre métier et travail. Donc moi, je vois ça plus comme un job aujourd'hui, pour les télé-réalités d'aujourd'hui, pour ceux qui sont payés. C'est un job, c'est éphémère, et tout l'intérêt est de transformer l'essai. Après, effectivement, il y en a quelques-uns, de manière anecdotique, qui peut-être ont transformé vraiment leur vie autour de ça, mais bizarrement, c'est pas un manque de respect, mais juste, je trouve que c'est pas un vrai métier, c'est un job éphémère dans sa vie, quoi. Je suis d'accord avec toi, en soi. Ouais. En tout cas, pour moi, non, parce qu'on n'était pas payés. Elle mourait dans le pré, donc déjà... Ah, vous êtes fait carotter, vous, chez vous. Ouais. Donc, en fait, ils ne nous payent pas. Donc, ce n'est pas un métier, en fait. C'était l'opportunité de quelque chose. Moi non plus, je n'étais pas payée, voilà. Donc, pour moi, ce n'est pas fait, un métier. En fait, on est 2 carottés. C'est M6, que veux-tu. Ouais, moi, je pense que ce n'est pas un métier, c'est juste un tremplin. Parce que quand on fait un CV ou autre, on met pas candidat de télé-réalité. Si vous n'aviez pas fait vos programmes, vous ne feriez peut-être pas, des choses sur les réseaux, etc. Donc, moi, je le vois comme ça. Après, je trouve que ça a vachement changé. Donc, je suis d'accord avec, pareil, avec toi. Merci. j'ai fait Secret, c'était il y a 10 ans, c'était encore un peu différent. Je pense que la télé-réalité, c'est une expérience, mais que pour moi, c'est pas un métier parce que ta vie ne se résume pas à ça, c'est pas la seule chose que tu fais après, et tôt ou tard, ça s'arrête. Donc, t'es censé aussi avoir autre chose à côté, et rien que pour ça, je pense que c'est pas un métier parce que c'est pas une fin en soi. C'est une expérience, et après, ça mène à autre chose. C'est comme si on demandait si être une célébrité, c'est un métier. En fait, c'est un fait, c'est un constat, c'est quelque chose, c'est certainement quelque chose de respectable, mais c'est pas un métier. C'est effectivement pas quelque chose qu'on met sur un CV pour dire « voilà, je suis ça ». Ouais, mais vous êtes archaïque, parce que un CV, ok. Moi, j'entends, on a tous fait des CV, mais bon, c'est un peu un truc à l'ancienne. Ouais, mais oui, mais tu... Oui, mais parce qu'on parle de métier, de professionnel, donc forcément... Pour moi, par exemple, je sais que maintenant, il y a des écoles où on t'apprend à potentiellement, déjà... gérer tes réseaux sociaux, devenir un potentiel candidat. Il y a des trucs, mais des formations en ligne où on t'apprend ça, tu vois. Je pense que vous tous, on sera tous d'accord là-dessus. Ça marche un temps, ça peut revenir, ça revient. Exactement. Je pense qu'il faut arriver à avoir un filet de secours, quoi. Non, ouais. Sans soi, t'as totalement raison. Ah oui, ça, c'est sûr, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Mais... Oui, et puis c'est vraiment, un métier en CDD. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et tu participes à une émission, mais ce n'est pas toi qui fais l'émission, ce n'est pas toi qui l'a produit, qui l'a créé. Donc, pour moi, ce n'est pas un vrai métier parce que tu es dépendant d'autre chose. En fait, tu es un participant dans une expérience, mais c'est pas, toi, tu n'as pas de pouvoir vraiment sur ça, quoi. Pour moi, un métier, c'est quelque chose, c'est une activité quand même que tu exerces. Qu'est-ce qu'on est bienveillant, moi je trouve ça. L'ancienne télé-réalité et la nouvelle, c'est pas la même chose. Moi, je vais rester là. Le débat, il va être là. Là, il y a 3 générations de télé-réalité. Il y a les gens des années 2000. Moi, je suis en 2010. Il y a des gens de télé-réalité plus récentes. Et clairement, les télé-réalités d'il y a. Alors. 20 ans, je sais pas, mais il y a 10 ans, en tout cas, ça n'avait rien à voir avec les télé-réalités d'aujourd'hui. Moi, dans ma saison, je crois que c'était une année charnière parce qu'on avait des gens qui commençaient à arriver en disant « Moi, je veux devenir la prochaine Kim Kardashian et je veux faire les anges et après, je veux en refaire d'autres et d'autres. » Et la télé-réalité d'avant, c'était vraiment « On vient, on fait une expérience,
on rencontre des gens, mais après, c'était pas forcément je veux en refaire. Et les gens qui font de la télé-réalité pour en refaire 10 à la suite, ils ont pas du tout la même démarche, ils sont pas aussi spontanés, mmh. et ils cherchent vraiment à faire du buzz et tout. Et là-dessus, ça a beaucoup changé, je trouve. Les gens ont compris comment ça marchait, quoi. C'est ça. C'est le truc. Nous, il y a 20 ans, il y avait pas de réseau, il y avait rien, on savait pas où on allait. Aujourd'hui, on sait que. Se diriger vers telle marque et mais on a ça, perdu en fait. On a gagné un peu d'oseille, mais on a perdu beaucoup quand même, tu vois. Si on avait fait ça aujourd'hui, la Starac, tu vois, on aurait pu se gaver, mais nous il n'y avait pas de réseau, il y avait rien. Oui, ça aurait moins marché. Les candidats découvraient comme les téléspectateurs, en fait personne ne savait vraiment trop. Je pense que la vraie différence entre les anciennes et les nouvelles télé-réalités, c'est qu'avant, les productions créaient les situations pour qu'on soit malheureux, pour qu'on soit stressé, pour qu'on s'engueule. Aujourd'hui, les candidats arrivent déjà avec des idées. Donc, c'est les gens qui font tout et la prod a juste à filmer, quoi. C'est le sentiment que j'ai. La prod, tu avais l'impression qu'elle poussait les candidats? Bah, les privations de sommeil, ce genre de choses, c'est quand même pour nous mettre dans des situations. En tout cas, moi, je sais pas, tout au début pour toi. En tout cas, je l'ai pas ressenti comme ça. Après, tu peux avoir un ressenti, mais. J'ai plus l'impression que c'est scénarisé aujourd'hui, entre guillemets. C'est pas du tout scénarisé. Après, je pense qu'à ton époque, les gens, ils étaient plus naturels et spontanés. Ils calculaient pas, en fait. Non, c'est vrai que c'est très mal joué aujourd'hui, la télé-réalité. Non, mais aujourd'hui, tout le monde a compris le concept que tout le monde exagère, en fait. Donc, il faut qu'il y ait de l'audience, il faut qu'il se passe des choses. Si tout le monde est dans son canapé en mode tout va bien, on se fait chier, c'est pas intéressant à filmer. Quoi. Alors, nous, de notre côté, l'amour est dans le pré, c'est quand même celle qui a le moins évolué, quand même. C'est quand même, on est quand même toujours des agriculteurs. Il y a toujours les plans avec les agriculteurs, la vache, le truc comme ça. Mais je sens quand même que depuis un ou deux ans, il y a un switch qui s'est fait de par les candidats et surtout par la prod aussi, qui recherche aussi des candidats un peu plus. Bon, je pense pas qu'il y a 8 ans, on aurait mis un agriculteur tatoué, homo, machin, etc. Donc cette année, il y a une lesbienne qui est aussi un fort carafon. Donc même dans l'amour et dans le pré, tu vois, il y a. On voit quand même une grosse évolution. Ça veut dire que ça s'ouvre et que ça... Ouais, c'est clair. C'est bien. C'est une chose. La plus grosse différence pour moi, c'est qu'avant, vous étiez beaucoup plus sympa. Maintenant, t'as l'impression que pour faire une télé-réalité, faut être un enfoiré de première. Justement, tu vas mettre en amont des clashs sur les réseaux sociaux avec telle personne pour participer à un programme, pour arriver dans un programme et avoir des histoires avec la personne, alors qu'avant, finalement, le programme se suffisait à lui-même. Maintenant, si tu crées pas toute cette ambiance un peu anxiogène, et ben finalement le programme il fonctionne pas parce que les gens vont regarder juste pour les clashs, pour en parler sur les réseaux, pour reposter les trucs. Et pour moi, là la vraie différence, c'est que c'est passé pour moi du côté obscur de la force un peu. Je suis d'accord. Ouais, c'est bien, mais après, est-ce que c'est la faute du public ou de la prod Ça c'est le public qui veut voir plus de. Mais totalement. Je me suis mis dans le vrai dans le sens où effectivement, je pense qu'entre ce qu'ont vécu des candidats qui avaient réellement un talent, peut-être, désolé, hein, mais vous étiez chanteur. Alors il y a eu Love Story, non. Mais sinon il y a eu beaucoup d'émissions sur. C'est vrai qu'elle a. Il y a eu beaucoup d'émissions sur le fait qu'on soit chanteur. On venait avec un talent, avec quelque chose. Maintenant, c'est un peu différent. On vient avec une personnalité. On ne peut pas trouver l'amour dans une télé-réalité. Oui, toi, évidemment. Allez, moi, en première place. Vite, allez s'asseoir, celle-là. Elle a compris le coup. Alors, pour pas... j'aime pas parler de moi, mais c'est vrai que quand j'ai rencontré Jennifer, puisque je suis également sorti avec Jennifer, je pense pas qu'il y ait de télé-réalité ou de lieu où l'amour, il se trouve partout, je crois. On peut rencontrer quelqu'un à la piscine, au sport, la télé-réalité, je veux dire, c'est pas parce que c'est un programme que ça empêche de tomber amoureux, quoi. Deux personnes peuvent avoir un coup de foudre. Absolument. Ou simplement se rapprocher parce qu'un programme, c'est un contexte particulier. T'es l'exemple type, quoi. Ah bah, moi, j'y suis allé pour ça, hein. Au début, j'y suis allé pour ça, hein. C'est pas pour montrer mes vaches, j'avais envie de trouver l'amour, quand même. Oui, mais vous, c'est le principe de votre émission, c'est vraiment... C'est le principe de l'émission. Et là, ça a matché grave, hein. T'en reviens toujours pas, c'est fou. De me dire, on va se marier quand même au mois de juin et tout ça. Non, c'est un match grave. Mais la plus folle, c'est elle quand même. Hein. Non, marié au premier regard. Ça. Parce que nous, on met 6 mois à se trouver le mec ou la femme. Hein. Mais elle. Moi, 3 secondes. Mary. Je savais que j'allais vivre une belle expérience. Je savais que le but premier, c'était de trouver quelqu'un qui me correspondait. De m'en remettre à la science. Après, j'étais pas certaine du résultat. En tout cas, j'avais. Envie de le tenter. Moi, après, je suis d'accord avec vous sur le principe de trouver l'amour, tout ça, parce que je l'ai trouvé aussi. Bon, mais c'était une nana de télé. Après, le truc, je pense que dans les télé-réalités de maintenant, si t'es en couple trop longtemps,
bah t'en fais plus. Oui, bah, ou alors faut faire des enfants. C'est vraiment le truc. Oui. C'est en fait, mais maintenant, tout est scénarisé autour des histoires d'amour. Donc il y a des gens qui trouvent vraiment l'amour, il y a des gens qui se mettent en couple pour le. Mais est-ce que c'est encore de l'amour? Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens qui vont dedans juste pour se mettre en couple. Ouais, et faire le buzz. Exactement. Et derrière, effectivement, ça va durer un temps sur les réseaux histoire de faire grossir ton Instagram, mon Instagram. Enfin, on va pas se mettre ensemble, mais t'as compris. Et derrière, ça c'est obligé de breaker un moment pour pouvoir repartir faire un autre programme. Donc, de l'amour, oui, parce que je pense qu'il y a 1% des personnes qui arrivent à le trouver, exemple. Mais dans la plupart des cas, c'est souvent du fake. Mais dans la vie extérieure, sans telle réalité, moi, je connais plein de gens qui se mettent en couple parce qu'il y a aussi un intérêt de confort de vie, tout ça. Donc, finalement, ouais, le confinement à deux. C'est des fois, des sentiments sur ces certaines personnes sont facilités parce qu'il y a une vie qui s'offre à eux qui sont plus confortables ou juste n'ont pas envie d'être seuls. Donc oui, mais des fois, c'est facilité aussi parce qu'il y a une caméra et que tu te dis, tiens, ça va bien marcher si on se rapproche comme ça on donne quelque chose à la caméra. Qui ici est sorti avec quelqu'un pendant ou après sa télé-réalité, télé-réalité. Bon, bah voilà, ok. La télé-réalité donne une mauvaise image à la jeunesse. On peut pas s'asseoir au milieu. Tiens, assieds-toi. Ah, ça y est, on n'est pas d'accord. La jeunesse, pour moi, de par tout ce qui se passe actuellement, la conjoncture, le racisme, l'homophobie, plein de choses, et déjà en train, et ce qu'on lui fait subir là, même maintenant, actuellement, quand on sacrifie une génération, pour moi, elle n'a pas besoin de ça pour avoir une mauvaise image, parce que la jeunesse, elle part avec beaucoup moins d'armes qu'on en avait peut-être nous avant, et je pense que la télé-réalité, ça contribue effectivement à appuyer là-dessus, mais de base, il y a un problème. Tu regardes la télé, je pense. La télé-réalité d'aujourd'hui, moi j'ai deux enfants, une fille qui a 12 ans et un petit garçon qui a 8 ans, Kylie et Maverick. Il y a des programmes aujourd'hui télé-réalité, par pitié, je ne veux pas qu'ils regardent ça, quoi. Parce que quand je les vois regarder une émission, ils ne savent pas conjuguer le verbe être quand ils parlent comme ça à la télé, et les enfants regardent en disant « Ah, c'est super, papa !» Je dis « Oh là là, là là, qu'est-ce que c'est cette merde, quoi !» La télé, elle montre quoi? Elle va montrer les choses qui vont créer le buzz. Alors, ça va être une engueulade, ça va être l'autre, tu vas dire 3 fois 2, 14, hein, tout le monde dit « On regarde !» Tu vois, ça, en plus, ça met la personne dans une mauvaise position, parce qu'elle passe en plus pour une débile. Mais le problème, c'est que les gens accrochent, quoi. Et c'est alors, là où c'est encore plus... Alors après, Jean-Pascal, et moi je parle pour la télé-réalité que j'ai faite, on montre de l'amour. Et ça, franchement, il y a beaucoup de jeunes cette année qui ont suivi L'Amour est dans le Pré, notamment parce qu'il y avait Alex et moi, des jeunes... Et je trouve qu'avec Alex, on a montré quelque chose de complètement différent, vraiment. Mmh. Et on a reçu des centaines de courriers, mais vraiment des centaines de courriers d'homophobes sont plus. Ah, qui le sont plus? Non. Ah. Qui, grâce à nous, c'est bien, le sont plus. Et je trouve que là, la télé-réalité a vraiment montré quelque chose d'exceptionnel. C'est-à-dire qu'on a réussi à faire bouger les lignes de mecs, de jeunes garçons ou même filles, qui n'auraient jamais bougé si on n'avait pas fait ce qu'on a fait. Ça, c'est génial. Ça, c'est extraordinaire. C'est moi, je suis assez d'accord pour ton programme, parce que c'est vrai que ça a une bonne image. Tout à fait. Après, je parle en ce qui me concerne sur les programmes que j'ai faits. Où je suis assez d'accord que ça donne pas une bonne image parce que déjà c'est vrai qu'on parle mal. On va pas se mentir, mais quand on nous fait faire des soirées entre guillemets culture générale, on sait très bien qu'on n'attend pas nous qu'on fasse question pour un champion, mais qu'on sorte des grosses bonnes perles. Après, ça fait partie du jeu aussi, mais c'est vrai que ça donne pas forcément une image très glorieuse à la jeunesse de la télé-réalité où on passe vraiment pour des cons, quoi, clairement. Après, le problème, c'est que les gens, ils savent pas faire la différence entre un divertissement et la réalité de ce qu'on est. Enfin, après, c'est vrai qu'il y en a qui sont vraiment bêtes. Hein. Mais après, pour ma part, parce que je suis comédienne, je savais très bien ce que je disais et j'en ai surjoué, j'en ai mis des caisses, quoi. Mais parce que il faut faire le show. Alors oui, mais parce que toi, tu sais, parce que toi, tu te dis c'est un show et je fais un show. Mais le souci parfois, c'est que c'est présenté comme la réalité, c'est présenté comme le vrai comportement des gens, leur vraie personnalité, leur vraie façon d'être. Et moi, ça me dérange que maintenant, les comportements qu'on montre dans ces émissions, c'est des gens agressifs, des gens qui sont parfois toxiques, des gens qui s'insultent, des gens qui se hurlent dessus, des gens qui sont fiers de leur... Et ça pour que des jeunes de 12 ans, 13, 14 ans, ils n'ont pas le recul. Et en plus, tu as une très bonne réponse. Hein. Ton discours, le discours de tout le monde, il est très bon. Mais comment tu veux que les jeunes, ils analysent? Un jeune de 12 ans, il va regarder ça et il va prendre tout au pied de la lettre. Il n'a pas de recul. Le problème, c'est ça. Il n'a pas de recul. C'est ça, le problème. Et parfois même, ils se disent, moi, je vais être comme elle parce qu'elle est belle, elle est à la télé ou comme lui. Mais après, elle réussit, elle est sur les réseaux sociaux. C'est ça, en fait, c'est plutôt la réussite qu'il y a derrière. Parce que finalement, que quelqu'un soit agressif, idiot, vulgaire,
Ça te permet de vivre à Dubaï aujourd'hui. Mais c'est ça, c'est que derrière, le gamin, il voit que sur son Insta, il a 500 000 followers, qui roule dans une super bagnole, on apprend qu'il a des salaires de plusieurs dizaines de milliers d'euros, et là tu dis, bah, en fait, c'est la clé du succès. Ça, c'est réussir sa vie. Du coup, ils veulent faire pareil. Donc c'est dans ce sens-là où moi, je trouve que c'est pas une bonne image pour les gosses. Et après, moi, je veux faire le distinguo. Enfin, c'est un peu utopique ce que je veux dire, mais j'ai toujours fait le distinguo entre les deux types d'émissions. Les émissions où il faut virer quelqu'un, et les émissions où il n'y a pas besoin de virer quelqu'un. Mais toutes les émissions d'élimination, où il faut voter les uns contre les autres, je trouve que c'est horrible de montrer à un gosse, ouais, vas-y, dis du mal de cette personne, note-la, mets des points en moins pour que toi, tu gagnes. En fait, quel est le message qu'on donne à une génération qui regarde le monde en se disant, bon, bah, comment fonctionne le monde? Et moi, j'aimerais que le CSA dise aujourd'hui, non, il n'y a plus de vote, il n'y a plus d'élimination. Ouais. Faites des émissions, faites ce que vous voulez dedans, mais plus cette malveillance de vote et de casser votre... La malveillance, elle n'est pas au niveau de la télé-réalité, elle est déjà avant, à un niveau gouvernemental. Après, niveau... ça reflète la société aussi. Elle reflète sa société. La société est malveillante. Je trouve que... Attention, moi, je trouve que toutes les productions et toutes les télés... Bienveillant. Non, mais toutes les télés ne répondent qu'à la demande d'un public. Tout à fait. Moi, je n'accuse pas les productions. Je dis juste, c'est un fait, il faudrait que le public ne regarde pas et les productions ne le feraient pas. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils regardent? Du Zara, parce que ça emploie des Ouïghours, effectivement. Mais c'est pour ça que je dis que c'est utopique. Enfin, ça emploie. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément éduqués et préparés à ça et qui se disent, mais oui, c'est comme ça qu'il faut être dans la vie. Ah ouais. Faut être agressif. C'est comme ça. Ou alors, c'est ça qu'il faut que je fasse pour réussir, pour devenir riche. C'est ça qui m'énerve dans ce truc. Ça, c'est grave. Hein, De toute façon, tout est truqué. À toi, dilemme, toi. On commençait déjà à couiller à la 5. Ouais. C'est très, très, très... scénarisé, même s'il n'y a pas de scénario au sens propre, même si voilà, on te donne pas un script, on te dit pas tu dois faire ça, on sait très bien que dès le casting, ils castent un certain type de personnes, qu'ils savent ce qu'ils veulent voir arriver et que vraiment, en tout cas moi dans l'émission où j'étais, c'était clair, c'était on veut des couples, on veut des clashs, le reste ça nous intéresse pas, voilà. Et si jamais on leur donnait pas ça au naturel, la production faisait tout ce qu'ils pouvaient pour le faire arriver par des moyens divers et variés, en créant des situations, en alimentant parfois les conflits. Parfois on allait faire nos interviews, pendant les interviews, les journalistes nous monter la tête sur certaines personnes en disant « Ah ouais, mais tu crois pas qu'elle, elle est vraiment en train d'essayer de t'évincer, qu'il y a un complot et tout ?» Ça, c'est pas truqué. Pour moi, c'est influencé. Alors, c'est masser la vérité d'une façon très, très intense. On essaye de t'amener à quelque chose de truqué. Pour moi, c'est vraiment... C'est fake. Ça dépend quel sens on donne au mot truqué. Parce que si on se contente de dire « Est-ce que c'est vraiment truqué ?» Je vais dire « Non, c'est pas truqué. » Parce qu'on était libre de faire à peu près ce qu'on voulait. Mais c'est truqué dans le sens où c'est tellement influencé, à la fois pour que nous, on vive des choses, et à la fois pour que le public perçoive des choses. C'est-à-dire que moi, je sais très bien qu'on nous réveillait la nuit pour aller en salle d'interview quand il manquait des images pour la quotidienne, et on nous disait « bon, tu peux me dire ça ». Et c'est des choses qu'on avait dit en salle CSA. Nous, la salle CSA, c'est la salle qu'on avait deux heures par jour. Mais nous, on a eu ça. 2 heures par jour, on n'était pas filmé. C'était le moment où il y avait les interviews avec les journalistes, le moment où on avait les soins médicaux, on était sous masque à oxygène et tout ça pour tenir les 4 mois. Mais c'était la misère, votre star à vous. Et clairement, on était réveillés la nuit. Et moi, ça m'est arrivé de dire, bah non, je te dirais pas ça, parce que je l'ai dit en salle CSA à mon pote, et c'est ma vie intime, ou voilà, des doutes que tu peux avoir par moment, que t'as pas envie de partager devant le public ou devant ta famille. Et on te dit, bah si, si. Et là, tu fais, bah non. Et là, on dit, ok. Et là, ils allument les lumières dans les chambres pour que tes potes ne puissent pas dormir. Et là, tes potes viennent te dire, s'il te plaît, réponds aux questions, dis ce qu'ils veulent. Donc, C'est chaud ce que tu dis là. Ah ouais, je suis choquée. Ah mais nous, il y a eu des menaces d'élimination si on faisait pas les choses dans le jeu qu'ils voulaient qu'on fasse. Nous, clairement, il y a des gens qui se sont fait subitement nominer quand ils ont demandé à voir un psy. Ben oui. Et là, quand tu commences à résister, c'est vraiment, tu sens les trucs, tu te fais punir dans le jeu, et au bout d'un moment, c'est dommage que tu partes vendredi. Vous vous rendez compte de ce que vous dites là? Parce que ça, oui, on s'est rendu compte, oui. Parce que ça. Excusez-moi, ça va créer un buzz énorme parce que on est en train de mettre entre guillemets de tout remettre l'histoire de la télé-réalité parce que. Mais bien sûr. Mais même moi, tu vois, j'ai fait la première entre guillemets, je suis absolument pas, j'ai jamais la 5, j'ai entendu
qu'il y ait des trucs comme ça, quoi. C'était vrai. On a eu des privations de courrier de la famille, on a eu ce genre de choses. Ah, bien sûr. Nous, quand ils voulaient faire péter des plombs aux gens, ils donnaient plus de cigarettes. Si on était malade, ils appelaient pas le médecin. C'était du chantage tout le temps. C'est grave. Non, mais c'est plus comme ça. Vous deviez être dans la phase de transition, je pense. Au moment où les productions cherchaient justement les moyens de pression pour avoir les émotions. Exactement. Je pense qu'après, ils ont compris, parce que les candidats ont fait aussi le taf, tu vois. Bien sûr. Ils ont pris des procès aussi, ça les a calmés un petit peu. Exactement. Non, mais je veux dire, je pense qu'ils ont peut-être poussé, tu vois. Et derrière, les prods se sont mis un peu au diapason. Mais tu vois, moi, quand j'ai commencé la télé, on m'a dit, t'as pas peur de renvoyer une image qui sera pas toi, tu vois. Donc j'avais dit non, j'ai pas peur de ça, parce que je savais très bien comment j'étais et je savais ce que j'allais dire ou ce que j'allais faire. Donc pour moi, c'est pas truqué. Moi, je réagis un petit peu, je suis plutôt dans le sens d'Antoine. Je dis pas truqué dans votre sens, en tout cas, moi, je me l'ai pas senti comme ça, mais truqué dans le sens de, entre ce qu'on fait, ce qu'on dit et ce qui est montré, c'est en partie un petit peu truqué. Ça, c'est le montage après. Ouais, le montage fait que ça peut truquer l'émission. Oui, la magie du montage. On te donne l'image qu'on veut bien te donner, en fait. Bah, c'est ça. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je pense pas qu'on te donne une image. Je pense que je vais changer de camp. Non, mais je pense que je suis d'accord avec toi. Je pense pas que. Ou alors, peut-être que. Toi, t'étais un agitateur, mais tu l'assumais. Oui, mais moi, j'étais moi. Et des images que j'ai vues. C'était toi. Il y en a plein pourtant de ma génération qui ont dit oui, mais ça a été monté, c'est pas moi. Vous n'aviez pas une voix dans le château qui disait vous pouvez pas dire ça, faites pas ça, arrêtez-vous ou ce genre de choses? Parce que nous, c'était constamment. Non, il n'y avait pas de voix ou autre. Moi, j'ai pas ressenti ça. Lorsque tu disais, je pense que c'est très juste. Il y a peut-être eu un système qui a été fait comme ça au début. Après, ça a peut-être été changé. Ils ont peut-être remis un niveau en disant oula, on a peut-être été trop loin. Mais c'est des choses. Que je pensais pas, quoi. Ça me choque, moi, ça me choque même pas, en fait, parce que je l'ai... Ça te choque quand t'es dedans et que tu découvres le truc et qu'il n'y a pas d'eau chaude toute la journée, que tu peux pas avoir une hygiène correcte et tout, et que tu dis, ah ouais, je suis vraiment dans un endroit où on veut me pousser à bout. Mais de l'extérieur, ça se voit pas. C'est une mauvaise image de la télé-réalité. Ça, il faudrait que vous en parliez, parce que... J'en parle, moi, j'ai écrit un livre, j'ai fait une vidéo, vraiment, j'en parle parce que je veux pas qu'il y ait des jeunes qui se retrouvent dans ce truc-là sans savoir ce qui les attend vraiment, quoi. Mais c'est truqué dans le sens où, au montage, au final, c'est vrai qu'on peut donner une bonne image comme une très mauvaise image à une même personne en choisissant les séquences et les passages des personnages. Et c'est vrai que personnellement, ça m'est arrivé également qu'on me force à sortir avec un candidat. C'était ça où je sortais du programme. Donc, je sortais avec quelqu'un dont je n'avais pas forcément envie. Mais on m'a dit, écoute, tu chopes ton prétendant ou tu pars, donc t'as pas le choix. Là où je te comprends, parce que moi aussi, on m'avait dit, oui, il faut que tu te rapproches de filles et tout. Mais je leur avais dit, moi, les filles, elles me plaisent pas, donc je vais pas me forcer. Après, si tu veux me sortir, tu me sors. Je le ferai pas, je suis pas ta. Tu vois, je suis pas. Bref. Ah non, mais moi, on m'a dit, lui, tu le chopes et tu pars dans 24 heures. Ouais. C'est tu le gardes. Ah ouais, c'est des ouf. Ouais, donc je l'ai fait. Mais pourquoi tu l'as fait? Fallait dire. Je l'ai pris ça comme. Comme un rôle d'acteur, je me suis dit bon allez, finalement c'est un bisou caméra comme le font les acteurs dans les films, ça va pas me tuer. Ils vont se rendre plus à la télé. Oui, j'ai les productions, c'est fini. C'est pas grave, c'est pas un métier. Ouais, c'est vrai. Moi je suis un peu, je suis un peu sur le cul. Hein. La boîte de prod, enfin de L'Amour est dans le pré, c'est d'une bienveillance incroyable, à pas savoir quoi faire. Pour que tu sois bien, les équipes de tournage sont exceptionnelles. Déjà, effectivement, on n'est pas payé, donc on n'a pas un rapport financier entre les deux, donc c'est clair. Après, vous parlez de montage. Moi, il y a un moment donné, c'est vrai que je parlais de l'os de mon chien qui ressemblait à un god. Et je le dis, mais j'aurais jamais pensé qu'il le monte. C'est-à-dire, ma mère fait 25 infarctus quand elle était là, truc comme ça. Mais c'est pas grave, parce que c'est moi. Oui, c'est moi. Donc, j'ai parlé du god comme c'était l'os du chien. Ouais. Mais c'est moi en fait, ils l'ont monté, c'est vrai que ça fait un petit buzz, mais ils l'ont monté, mais c'est moi. À l'origine, donc, c'est ça. La télé-réalité, c'est la réalité de la télé, à l'origine. Alors, les candidats de télé-réalité regrettent leur participation à une émission. J'hésitais. Non. Perso, j'ai adoré mes expériences. C'était des expériences très différentes. Une où j'ai énormément souffert parce que c'était un programme de survie. Mais qui m'a énormément appris aussi. Et l'autre, la villa qui est complètement différente, j'ai adoré aussi parce que c'était fun, c'était un peu comme des vacances filmées, hein, on va dire. Voilà. Après, on ne peut pas regretter quelque chose qui
C'est ce que je disais, il y a des hauts, il y a des bas, mais on ne peut pas regretter quelque chose qui nous fait vivre, entre guillemets. Moi, ça fait 20 ans que ça me fait bouffer. J'ai pu construire des choses. Alors, des fois, ça marche moins bien, il faut faire d'autres trucs. Mais pour ma part, moi, j'ai trouvé ça m'a ouvert des portes. Mais ça m'a permis de pouvoir profiter d'un système. Parce qu'on dit toujours la télé-réalité aussi, c'est les qui profite de nous. Mais nous, on a aussi profité de ce système et de cette chance qu'on nous a donnée. Parce qu'on a pu avoir des rendez-vous plus facilement, on peut faire de la télé, Donc c'est une chance extraordinaire. Et si c'était à refaire, moi perso, je sais que je refais pareil. Ouais, je pense pas que les... moi, je regrette pas de l'avoir fait parce que ça m'a appris des choses, parce que j'ai grandi énormément. C'est vraiment la télé-réalité. À chaque fois, c'est une expérience quand même hors du commun. On a une visibilité, on est à la télé. C'est aussi une opportunité de pouvoir faire passer des choses, de pouvoir lancer des projets après. Donc, quoi qu'il arrive, parfois, il y a du bon, il y a du mauvais. Mais au final, si c'était à refaire, je le referais parce que je serais pas la personne que je suis aujourd'hui si je l'avais pas fait. Ouais, malgré tout, vous avez tous du positif. Moi, je suis super heureux d'avoir fait cette émission. Je ne voulais pas la faire, l'émission. Vraiment, je voulais pas. J'ai jamais trop aimé les télé-réalités. Aujourd'hui, je regarde pas. Je suis pas du tout fan de ces concepts-là. Et en fait, ça a fait basculer ma vie. Donc ouais, il y a des points négatifs. Il y a des choses effectivement que tu fais. Ah ouais, c'est un peu dur à digérer. Surtout quand tu te construis, parce que c'est ce que j'essaie souvent de dire aux gens. On a 18 ans. On est en plein. On démarre notre vie d'adulte. On est encore en pleine construction. Donc ça définit notre personnalité. Et après, le plus dur, c'est de s'en détacher les années qui suivent, parce que Starac, on est jugé par des coachs, par des profs, par un public, par ses collègues. Mais c'est une expérience magnifique. Et même si je peux dire des choses négatives, et ben, au même titre que je dis du négatif, je vais dire des choses magnifiques parce que c'était vraiment génial. Vraiment. Tu vois, moi, je suis d'accord avec toi, parce que je suis dans le même cas. On me l'a proposé pendant longtemps, j'ai souvent refusé. Et en fait, à un moment, je l'ai accepté parce que des projets perso, je me suis dit, c'est un bon moyen d'avoir de la visibilité. Mais j'ai commencé, j'avais 28 ans. Si je l'avais fait à 20 ans, peut-être que j'aurais regretté. Parce que j'avais la maturité émotionnelle nécessaire pour le faire, parce que j'avais les armes nécessaires pour aller dedans. Et peut-être que, dans le cas inverse, peut-être avec 10 ans de moins, me serait fait bouffer. J'en vois des petites nanas de 20 piges maintenant qui vont faire des émissions où elles sont traitées comme du bétail. On les fait passer pour des putes. Moi, je suis désolé. Non, mais c'est bien, t'as raison. Parce que en plus, elles sont dans la surenchère parce qu'elles se disent il faut le faire. Je le fais, et tu vois. Et ça devient un petit peu, pour moi, la prostitution. Et c'est con parce qu'on peut dire ce qu'on veut, même si c'est les femmes les plus puissantes dans la télé-réalité, parce que les filles, sur les réseaux, c'est elles qui brassent le plus d'oseille. Je le vois. Les mecs s'embrassent. Mais beaucoup moins. En revanche, sur l'image que tu peux renvoyer, généralement, même tu le vois sur les réseaux sociaux après, les femmes, elles sont insultées, les femmes, elles sont toujours, on montre des photos d'elles sans maquillage, machin. Et tu vois, c'est pour ça que je pense qu'il y en a certaines qui doivent regretter. Il y a des gamins, ils sont foutus en l'air. Moi, je me souviens d'un mec qui s'appelait FX. Ah ouais, mais c'est suicidé. Ah, ouais. Voilà. C'est suicidé. Lui, je pense, tu vois, ça met des frissons. Il est bien entouré, je pense. Lui, je en fait. Pense que sa famille, elle s'est dit toute sa vie, je regrette. Ça, faut pas l'oublier. Ouais, mais tu sais suicidé. Que c'est pas vraiment, ils ont pas vraiment tiré de leçon, hein, parce que FX s'est suicidé pendant ma saison de Secret Story. Donc nous, on était dedans. Ouais, ouais. Enfin, j'étais pas avec lui. Lui, c'était la saison 4. Moi, j'étais la saison 5. D'accord. Pendant qu'on était dedans, 6e semaine, FX s'est suicidé. Ils nous ont rien dit. Ils nous ont juste demandé, si on parlait des anciens candidats, de ne pas prononcer le nom de FX. Parce qu'ils étaient juste... En fait, le seul truc qui les inquiétait, c'était problème d'image, problème de relation presse. Et dans ma saison, il y avait des gens qui étaient parfois à bout de nerfs. Même moi, qui ai demandé à parler à la psychologue, on m'a fait attendre. Quand la psy, elle m'a parlé, elle n'en avait rien à faire. Et après coup, après l'émission, ils nous ont lâchés comme des merdes dans la nature en disant, on a fini de se servir de vous, vous repartez et tout. Et ça, c'est parfois le plus dur après une émission. Donc je pense pas qu'ils aient tiré les leçons de ça. On dit qu'on est tous fiers d'avoir fait la télé-réalité, etc. Mais ce qui est arrivé, entre guillemets, à FX ou autre, c'est dans n'importe quel domaine également. Le mec qui veut être footballeur, il va faire un test, il a fait toute sa vie, il n'y arrive pas. Je pense pas que la télé-réalité pousse les gens à se foutre en l'air. Je pense que tous les domaines, quand on réussit pas, on a envie de se foutre en l'air. Ouais, sauf qu'il n'y a pas 15 millions de personnes qui te regardent en disant... Oui, mais c'est pas la question de 15 millions, c'est question du rêve. Et je pense qu'FX, peut-être qu'il s'est dit, ça marchait pas. Le problème aussi, quand tu sors de télé-réalité, je pense qu'il a été confronté... tout est ouvert, tout est beau, tout est rose. Il y a la drogue, il y a l'alcool, on savait pas parce qu'on a entendu aussi certaines choses. Il faut aussi, moi je suis désolé, quand je suis sorti de la Starac, j'ai vu des gens avec des saladiers de cocaïne qui disaient, viens, j'en ai jamais pris, je les ai vus, j'ai dit, si c'est ça, ça m'intéresse. Il y a un moment, il faut aussi être fort, mais c'est pas que la télé-réalité, je veux dire, vous allez en discothèque ou autre, il faut aussi être un peu fort, je dirais, mentalement, donc je pense que c'est pas la télé-réalité, c'est malheureusement chaque personne qui est capable de craquer dans n'importe quel domaine, quoi, donc
Je pense pas que la télé-réalité bougie, je pense que c'est la vie en général, quand on n'a pas ce dont on veut. Ouais, mais après, ce milieu-là, il est particulier. Quand tu vois des millions d'insultes qui viennent quand tu sors d'une émission sur les réseaux sociaux, ça peut te fragiliser. Mais nous, on n'avait pas de réseaux sociaux. Nous, on n'avait pas de réseaux sociaux, pas de salle de CSA, rien. Ouais. Nous, tu vois, c'est pour ça que je dis, votre avis, il est génial, parce que moi, c'est archaïque. Même toi, tu vois, on n'avait pas... ça n'existait pas, tout ça. Non, moi, Facebook démarrait à ce moment-là. La seule... Je suis pas sûr que ce soit vraiment la télé-réalité ou que ce soit la nuit ou d'être star qui détruise. Je pense que c'est l'humain et de se dire aujourd'hui je suis là. Si demain je suis là, il faut que je remonte là. C'est pas vrai. Il faut faire une marche par une marche. Et je pense que c'est l'humain en règle générale, voilà, qui il faut s'accrocher. Bah nous on a trouvé l'amour quand même. Hein. Nous on a quand même trouvé l'amour. Nous on est venu pour trouver quelque chose qu'on a trouvé, donc même si ton mec me drague. Impossible de regretter. Non, c'est pas vrai. Non. Si on peut pas, nous, on peut pas regretter. On est dans un positionnement qui est complètement différent. Ouais. On peut pas regretter parce que moi, j'ai trouvé la chose la plus belle qu'il soit. J'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Je vois la vie malgré ma maladie. Maintenant, je la vois. Et c'est fou parce que c'est parce que j'ai appris que j'étais malade que je me suis inscrit à l'émission. Ah ouais. Donc en fait, la maladie qui va me condamner dans quelques années à mourir m'a fait trouver la plus belle chose du. Ouh là là. Moi, je me suis trouvé la plus parce que donc j'ai vraiment cette impression de dire finalement la mort t'apporte la plus belle de tes vies et c'est juste extraordinaire, donc je suis dans le fond complet. Voilà. Pour les jeunes qui rêvent de télé-réalité, qui sachent un peu plus à quoi s'attendre derrière les caméras. On réduit trop la télé-réalité actuellement à des images pour moi qui sont négatives et le fait peut-être d'ouvrir les esprits de personnes qui n'avaient pas forcément une opinion favorable sur la télé-réalité, c'était intéressant. J'ai jamais vraiment fait d'émission où je pouvais débattre de mon expérience avec d'autres candidats et là c'était l'occasion de savoir un petit peu ce que les nouvelles générations pensaient de la télé-réalité. Je trouve intéressant de débattre sur la télé-réalité. J'avais envie de faire de belles rencontres et surtout de partager des avis différents. Bah, quand on m'a proposé de tourner dans l'émission, je me suis dit tiens, on va confronter avec d'autres types de télé-réalité. L'amour et dans le pré est quand même un petit peu différent. Et bah, j'ai voulu confronter, j'aimais le style de l'émission et voilà. Et pas du tout déçu. Il faut quand même pas oublier que c'est que de la télé et il faut avoir quand même un certain recul et pas croire tout ce qu'on voit à l'écran. Donc j'ai commencé, moi, avant de faire Starac, j'ai fait du porno. Donc c'est de la bienveillance, l'émission. Donc, je vais juste donner le titre de mon film, c'était « Change de trou, ça fume », le 2. Et par chance, j'ai été repéré donc par Pascal Nègre, qui tournait également avec moi et qui m'a dit « Écoute, il faudrait que tu fasses de la chanson ». Je sais pas comment on en est venu du porno à la chanson, mais en tout cas, ça m'a permis voilà, de faire toutes ces belles choses que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Voilà, je vous donne rendez-vous donc dans l'étiquette, vous allez vous régaler. Faut la garder, celle-là, elle était pas mal. We'll be right back.